Paul? Paul? Mais qu'est-ce qu'il fout? Ma cliente m'avait donné rendez-vous devant un théâtre érotique. Elle était peut-être une pro du striptease, mais elle mettait un temps fou à s'habiller. Vous êtes Maria? Vous avez rendez-vous avec Maria? Oui. Vous allez attendre longtemps, elle n'arrive jamais avant 6 heures. Entrez, ce sera plus agréable. Oh ben, je reviendrai. Vous êtes un client? Ce serait plutôt le contraire. Ah bon? Eh oui. Ben, tant pis. Notre cliente m'a posé un lapin. Elle vous attend depuis une heure. On s'est raté au théâtre tout à l'heure. Non, je l'ai fait exprès. Ah. Je préférais que vous sachiez comment je gagne ma vie. Je suis étudiante et c'est le seul travail bien payé que j'ai trouvé pour finir mes études. C'est sûrement mieux payé que le babysitting. Qu'est-ce qui vous amène? Alors, de quoi s'agit-il? On a tué mon fiancé. Ah. La police a conclu au suicide, mais c'est pas possible. Paul n'avait aucune raison de se suicider. On s'aimait, on allait se marier, tout allait bien. Il est mort comment? Il y avait une seringue et de la drogue. La police a dit que c'était une overdose. Mais c'est faux. Paul ne s'était jamais drogué. Jamais, jamais? Pas comme ça. Pas avec une seringue. Il fumait quelquefois, c'est tout. Vous me croyez? Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un assassinat? Je le sais, j'en suis sûre. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Je veux connaître la vérité. J'ai besoin de comprendre. Et si la vérité, c'était qu'il soit suicidé, ou même un accident? Impossible! Et Paul était étudiant en médecine. Il savait doser une piqûre. Un café. Merci. Et vous? Non, merci. Il avait des amis, des relations. À part moi et quelques copines, il ne fréquentait personne. Il passait son temps dans ses bouquins. Il voulait réussir ses examens, c'est tout. Juste pour nous. Pas de piste. Pas de mobile. Un peu maigre, hein. Je sais que ça paraît invraisemblable. Mais je suis sûre que Paul ne s'est pas tué. J'en suis sûre. Enfin, s'il y a un assassin, je le trouverai. Combien je vous dois pour une semaine d'enquête? C'est peut-être un peu cher pour vous. C'est 2000 francs par jour. Ça m'est égal, monsieur Burman. Et j'aimerais que vous y passiez tout votre temps. Paul était toute ma vie. Je ferai tout mon possible. Merci. À bientôt. À bientôt. Et vous étiez prêt à enquêter à l'œil uniquement pour ses beaux yeux? Ils sont charmants, ces yeux. Mais cette histoire ne tient pas debout, Nestor. Cette fille vous cache quelque chose. Vous êtes de mauvaise foi, Hélène. Par définition, une stripteaseuse ne cache rien. Ah, mais ça, il n'y a pas le moindre doute, hein. Le petit Levasseur s'est tué.
On dit suicide pour pas parler d'overdose. Dans la famille, c'était le fils d'un grand ponte. Quelqu'un d'important? Ah ben, Henri de Vasseur, je pense bien. Une sommité du monde scientifique. Il a même failli avoir le Nobel. Ah. La biologie du comportement, vous savez pas ce que c'est? Non. Et vous lisez quoi? L'équipe. L'équipe, oui. Ben, le petit Levasseur, il était pas bien dans ses bottes. Pas brillant, complexé par la gloire de son père. Sa mère était morte il y a plus d'un an, alors la déprime, la drogue, tout ça. C'est pas ce que m'a dit ma cliente, elle m'a dit qu'ils étaient heureux, qu'ils allaient se marier. Ah oui, mais elle prenait ses désirs pour des réalités, elle. Tout le monde prend ses désirs pour des réalités. Je peux consulter le dossier? Oui, pas de vague, hein, Burma. Le dossier, il est clos, hein. Promets Florimond que ça sera l'enquête la plus discrète que j'ai jamais menée. Bien tiré, parce que moi, le quartier latin, j'aime bien quand il est calme. Fabre, apportez-moi le dossier Levasseur. Ah, c'est Fabre qui a le dossier? Ah oui, c'est lui qui a mené l'enquête. Mais c'est lui qui a conclu au suicide? Oui, oh, je vous vois venir, Burma, mais Fabre est un excellent policier. Pourvu que le cas soit simple. Pas de ses aptitudes à tout simplifier. Mais commissaire, hein, c'est fort si simple. Et qu'est-ce qu'il fait là, Sherlock Holmes? Ah, Burma mène l'enquête sur la mort du petit Levasseur. La fiancée a demandé une contre-enquête. Tenez. Et elle vous paye cher pour ce travail inutile? Et elle veut être rassurée par un expert. Vous savez comment elle gagne sa vie, votre cliente? Alors, du détective privé au proxénète, il n'y a qu'un pas. C'est lui, le petit Levasseur? Oui. Regardez ce que raconte le papa. Édifiant, engueulade sévère, deux jours avant sa mort, parce qu'il pensait que le petit se droguait. Ils se sont pas revus. Mais le professeur Levasseur est médecin. Il connaît les symptômes. Des suppositions, pas de preuves. Là, Burma, je vous le répète, moi, je veux pas d'histoire. Tous les jours, on ramasse des jeunes gens avec des saloperies dans les veines. Et dans tous les milieux. Et d'ailleurs, vous devriez enquêter du côté de votre cliente. Elle est peut-être pas aussi claire qu'elle en a l'air. Peut-être qu'elle se sent coupable. Hein? Oui. Peut-être que la police a raison. Il était impossible d'obtenir un rendez-vous avec ce grand professeur. Je me pointais directement sans invitation. Je voudrais voir le professeur Levasseur. Aucune fuite n'est possible pour la souris mâle B. On la met en présence d'un couple mâle et femelle A, amoindri également par la fin. Docteur Levasseur, s'il vous plaît. Et là-bas. Le mâle A est sur son terrain, ce qui lui confère normalement un avantage. Mais le mâle B n'analyse pas la situation. Il profite de son ascendant nerveux. Il attaque le mâle A. Est-ce que vous leur injectez, là? De la caféine. Son cerveau reptilien prend le dessus. Oui. Dans 9 cas sur 10, la même réaction. B domine toujours A. Le cortex inhibe A. Et dites-moi, elles s'entretuent, là. Vous les arrêtez pas? Et quoi bon? Ce sont des souris. Monsieur? Nestor Burma. Excusez-moi de vous déranger. Vous pouvez m'accorder quelques minutes? Pour parler de votre fils. Vous êtes de la police? Non, j'ai été engagé par Maria. Je suis détective privé. Pauvre fille. Elle ne croit pas à un suicide. Moi non plus, je n'y ai pas cru. Vous pensez que c'est un meurtre? Ou non. Mais une overdose, c'est dur à admettre pour un père. Et plus encore pour une jeune fille amoureuse. Le comportement de Maria ne m'étonne pas. Il suit la logique des sentiments, mais elle se trompe. Elle refuse d'affronter la réalité. Votre avis, il n'y a aucun doute. Malheureusement. Oh,
Paul n'a sûrement pas voulu mourir, mais s'évader dans la drogue, sûrement. Hélas. Il se droguait depuis longtemps. Monsieur, ce sont des souvenirs très douloureux. La police a conclu son enquête, Paul est enterré. Je vous en prie, ne remuez pas tout ça. Qu'est-ce que ça changera? J'ai lu un rapport de police. Vous aviez eu une dispute avec votre fils. Évidemment, j'étais le seul qui pouvait lui dire quelque chose. Il m'admirait. Il ne m'écoutait pas. Paul était un rêveur et un dépressif. Il y a deux façons de réagir, l'attaque ou la fuite. Paul a choisi la fuite. Si j'avais pu prévoir. Morel, préparez un coup A, bien nourri. Les comportements des individus repus sont pleins de surprises. Maria vivait avec votre fils et... Elle dit qu'il était heureux et ne se droguait pas. On ne voit que ce qu'on veut voir, surtout quand on est amoureux. Si vous faites honnêtement votre métier, monsieur, vous vous rendrez vite compte que cette enquête est inutile. Que cette gosse perd son argent. C'est aussi mon avis. Merci, professeur. Je vous en prie. J'aime beaucoup les souris. La logique, c'était de rendre son fric à la petite. Tout ça ne menait nulle part. Mais mon instinct me poussait à chercher encore un peu. J'aurais dû demander au professeur dans quelle partie du cerveau se situe l'instinct du détective. Mais est-ce que Paul a l'air d'un drogué? Est-ce que j'ai l'air d'une droguée? Je vous en supplie, il faut m'aider. Il faut m'aider. Bon, d'accord. Je continue. J'ai besoin de quelques renseignements. Qui touche à la drogue dans votre entourage? Personne. Il y a bien. Non. Là, vous pensez à quelqu'un. C'est des racontards. Eh ben, justement, racontez. Il paraît qu'il y a des filles qui en prennent avant d'aller à des rendez-vous. Des rendez-vous? Quel rendez-vous? Ici, au foyer. Vous savez, la plupart des étudiants travaillent pour une agence de placement qui nous trouve des jobs. Et petits boulots, comme le théâtre érotique. Quelle agence? C'est l'agence Smart Service. Ils sont surtout spécialisés pour des filles qui accompagnent des hommes d'affaires dans des soirées, des cocktails, des trucs comme ça. Escort girl, c'est comme ça qu'on dit. Mais je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai jamais fait. Mais vos copines le font. Ça doit bien payer. Bon, toujours agréable de tomber sur un type qui vous répugne. Alors là, elles ont besoin d'un remontant. De mon temps, on prenait un petit whisky. Maintenant, on prend un peu de poudre. C'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'on fait, oui, aussi. Et Monsieur Smart Service l'a en fourni, c'est ça? Peut-être. Mais en attendant, Rémy de Surmonde ne m'en a jamais proposé. Maria, tu viens? Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Isabelle qui fait son pot, moi j'ai pas le temps de rester. J'arrive. Vous venez tous les deux? C'est Yolande. Elle est toujours un peu speed. Je la connais, je l'ai croisée au théâtre. Vous venez, je vais vous présenter mes amis. Qu'est-ce que vous célébrez? La soutenance de thèse d'Isabelle. Avant que j'oublie, Monsieur Smart, je peux le trouver. N'oubliez pas qu'il m'emploie. Il a toujours été gentil avec moi. Je peux être civilisé quand je veux. Hein. Mais je déteste arriver les mains vides. Je vous laisse 5 minutes, je vais acheter du champagne. Non mais... Oh, dites, comment vous faites pour vous arrêter quand je suis pas là? Oh, ça va, ça va. Mais il est fragile. Les antiquités, c'est toujours fragile. Dégage! Dégage de là, pourriture! Ne dramatisez pas! Ricardo, t'es mieux le fond, mon appel! Yolande! Vous la connaissez?
T'as compris? Foulons la paix. Yolande, reviens. Hey, c'est pas un amour partagé, vous voyez bien. C'est quand même solide, hein. Ils le font tous, ce modèle. Allez. Ricardo! Mon Dieu, mais tu es blessé. Assieds-toi, je vais te mettre un pansement. Mais qui t'a fait ça? Ah, je ressens ce type. Mais qui? C'est un ami de Yolande dans une table gris-souris. Comment ça va, tu veux que je serai mis sur moi? Ah, monsieur Smart, ben pour un gentil, plutôt violent. Tu t'es encore bagarré avec Rémi, c'est malin. C'est un salaud, tu le sais. Merci de l'avoir aidé. Mon frère ne supporte pas mes amis. Ses amis? Un escroc ou un dealer? Le détective, je lui ai demandé d'enquêter sur la mort de Paul. Mais on ne vous a rien offert. Venez, je vais vous servir quelque chose. Ça va aller? Merci. Venez. Pardon. Alors j'ai un peu mélangé le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le mezcal, le guarana. Choisissez, il y a toute l'Amérique du Sud. Vous allez voyager? Ça doit délier les langues, vous en prenez pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que vous allez me dire. Je me sens responsable pour Paul. C'est vous qui lui avez donné la seringue? Non, jamais de la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut qu'on se voie ailleurs. Igor, c'est gentil d'être venu. Félicitations, Isabelle. Maintenant, tu pourras te consacrer entièrement à notre travail. Lâche les deux singes! Basta, si tu viens ici pour injurier mes amis, va-t'en! Alors choisis mieux tes amis, t'entends? Je fais ce que je veux! Empoisonneur! Dealer! Escroc! Oh, ne viens plus, Igor! Ne viens plus ici, Igor! T'as pas l'air de vous aimer, hein? Il n'aime personne. Ah. Et pourtant, il a l'air d'aimer sa sœur. Alors, vous êtes dealer. Vous vendez de la drogue pour arrondir vos fins de mois? Ricardo dit n'importe quoi. Igor, pardonne-lui. Il est fou avec ses idées. Ça n'a pas d'importance. Bon, bah, Isabelle, je vous quitte. Quand est-ce qu'on se revoit? Se revoir? Bien sûr, venez au théâtre du Pêcheur, ce soir, par exemple. Tu n'oublies pas notre séance cet après-midi? Non, jamais. Ça me fait un bien fou. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce personnage? Igor? Il donne des cours de relaxation? Ça n'a pas l'air de marcher avec le frère d'Isabelle, hein? Vous pensez que... J'étais impatient de savoir ce qu'Isabelle n'avait pas eu le temps de me dire. C'était certaine. Le fils Levasseur avait meilleur goût que son père en ce qui concernait le choix des souris. On vous voit partout? Je vous dérange pas? Et au contraire, dérangez-moi. Isabelle est pas là? Y'a que nous. Attachez-moi. Ah! Je suis du genre tendre, moi. Peut-être pas comme votre ami Rémi de Surmont. De Surmont n'est pas mon ami, c'est mon agent. Mmh. Attachez la graffe là dans le dos, j'arrive jamais à la fermer toute seule. Il a drôlement arrangé Ricardo. Ricardo, j'ai un peu flirté avec lui, alors il s'imagine que je lui appartiens. Et Paul Levasseur, lui, il s'imaginait quoi? Paul? Le pauvre, il était si timide. Eh, vous tremblez? Je suis toujours très nerveuse avant d'entrer en scène. Il n'y a qu'une chose qui me calme vraiment. Et c'est quoi? C'est de faire l'amour. Ça chasse les énergies négatives. C'est une question de magnétisme. Si vous continuez comme ça, hein, c'est moi qui vais entrer en scène. Je vous plais pas. Mais Isabelle n'est pas encore là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? On peut pas avoir confiance. Soyez pas injuste, Isabelle n'est jamais en retard. Ah, parce qu'elle est à l'heure, là. Votre numéro commence dans 10 minutes. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Moi?
J'habille la stripteaseuse. C'est malin. Vous avez trouvé quelque chose? Pas pour le moment, Isabelle veut me parler. De mieux en mieux, elle donne ses rancards ici, maintenant. Elle a intérêt d'être là vite, sinon je la vire. Et toi avec. Isabelle! Isabelle! Mais elle devrait être là. Isabelle! Vous sentez? Écartez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Merde. N'entrez pas. N'entrez pas, hein. Isabelle? Mais c'est pas possible. Là, c'est les définitivement endormis. C'est un assassinat exactement comme Paul. On peut plus rien pour elle. Allez, on va prévenir la police. Allez, venez. Si c'est pas malheureux, à cet âge-là. Bon. Ah oui. Ah maintenant, là, ils sont tous là, regardez. Mais avant, là, y a personne n'a rien vu. Ah, Burma. Burma, bravo. Alors là, pour une enquête discrète et sans histoire, ça se pose là, vous voyez. Pourriez me remercier, j'ai évité une explosion. Bon, il y a tout le matériel pour un fixe, hein, la seringue, le garrot, une overdose. Et toutes ces overdoses, Fab, vous ne trouvez pas ça bizarre vous? Donc, tu as la même ouvert le gaz, hein, elle voulait en finir. Écoutez, Isabelle était ma meilleure amie. Elle ne s'est jamais droguée. Et elle ne s'est pas suicidée non plus. On enregistrera votre déposition, mademoiselle. Parce que vous allez rien faire? Mais c'est un meurtre! L'enquête l'établira! Mais je suis sûre qu'on l'a tuée, moi! Bravo. Psychologie. Oh, ça va bien, Burma. Bon, c'est vous qui avez défoncé la porte, là? Ça se voit, non? Donc elle était fermée. C'est une logique imparable. Bon, ben, vous mettez les CV, vous fermez, puis on enverra les gars du labo. Burma, vous occupez de votre cliente. Bon, vous avez entendu, Burma, tout le monde dehors. Bon, alors, il est terminé, ce rapport? La victime, elle avait rien sur elle? Non, 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 une robe, des chaussures, elle avait rien, elle avait pas de poche. Très observateur pour un pro. Un pro, ça cherche la clé de l'énigme. Enfin, bon, bon Burma, je connais mon métier. La clé? Oui, oui. Tenez, prenez ça. Isabelle. Allez vous reposer. Je vais prévenir son frère. Non. C'est à moi de lui dire. Ricardo et Isabelle n'avaient pas de famille. Leurs parents ont été assassinés par des militaires dans leur pays il y a des années. Maria, je vous jure que je vais coincer le salaud qui a tué Paul et Isabelle. Vous pensez que c'est le même? Il y a des chances. Vous avez trouvé quelque chose? Allez, venez. Alors? J'ai la preuve qu'Isabelle a été assassinée. La porte de la chambre était fermée à clé. Et on n'a pas trouvé la clé. Ni sur la porte, ni sur la victime. Alors quelqu'un l'a emportée en sortant. Paul et Isabelle se connaissaient bien? Oui, on se voyait tous les jours. On dînait souvent ensemble, tous les trois. Et Isabelle ne vous a rien dit de particulier à la mort de Paul? Non, je vois pas. Dommage. Je sais que c'est pas facile. Mais tu peux compter sur moi. Ils l'ont tué, les salauds. Qui ça? Ça vous regarde pas. Pourquoi t'amènes un flic? C'est mon ami. C'est le tien aussi, mais fais-lui confiance. Si vous voulez pas m'aider, aidez Maria. Isabelle, personne ne peut plus l'aider, elle. Écoute, Ricardo, si tu sais qui l'a tué, il faut que tu nous le dises. Tu dois nous aider. C'est plus... Isabelle me disait plus rien. Elle voulait me protéger. Je devais rien savoir pour qu'il m'arrive rien. J'aurais pu la défendre, moi. Contre qui? Contre ses amis? Ses amis? Des assassins? Qui? Igor? Rémy de Surmont? Qui d'autre? Je
Je finirai par trouver. Mais en vous taisant, vous laissez du temps à l'assassin de votre sœur. Où est-elle? Où est ma sœur? À la morgue. Police fait une autopsie. Je veux la voir. Je veux l'embrasser. C'est où la morgue? Je connais le chemin. Malheureusement. L'autopsie avait confirmé l'overdose. Mais j'avais appris qu'Isabelle était morte entre 5 et 7 heures du soir. Il me restait à vérifier quelques alibis. J'ai failli être en retard. Alors tu vas me filer un type nommé Ricardo. 1m80, 20 ans. Il va sortir de là, il a une veste kaki et un jean noir. Il est avec une jeune fille, c'est ma cliente. Et dangereux? C'est le genre agressif, il va essayer de se procurer une arme. Il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le file avec toi pour essayer de le descendre. Dans ce cas-là, tu sors tes petites ailes. Et je me tire? Mais non, imbécile. Tu joues les anges gardiens, tu le protèges. Non, mais c'est quoi le but de la manœuvre, là? Eh ben, tu le suis, tu vois où il va, qui y rencontre, qui y surveille, et surtout sur qui il veut tirer. Tirer? Non, mais qu'est-ce que je fais, moi, à ce moment-là? Eh ben, évidemment, tu l'en empêches. Eh ben, vous allez où, là? Je vais à une séance de relaxation. Ah d'accord, il y en a qui ont la belle vie. Je te laisse Notre-Dame, Quasimodo. Ce brave Igor donnait des cours du soir. J'espérais qu'il m'apprendrait quelque chose, puisqu'il était probablement la dernière personne à avoir vu Isabelle vivante. Monsieur, dame, vous avez une minute? Sont d'anciens drogués. Mais maintenant, ils font partie de l'association Éveil, qui lutte pour la désintoxication. Ils ne boivent que de l'eau, ne mangent plus de viande rouge et ne se droguent plus. Plus jamais. Ce sont des végétariens. Des vrais légumes, quoi. Que voulez-vous savoir exactement? Certains de vos élèves doivent connaître quelques dealers, non? Plus maintenant. Cela fait partie de leur vie antérieure. Ça vous ennuierait que je leur pose quelques questions? Sur leur vie antérieure. Ça ne servirait à rien. Ils viennent tous d'horizons différents, et puis il y a tellement de dealers, de petits revendeurs. À votre avis, je perds mon temps ici, alors? Oui, ici, certainement. Mais je vous conseille d'aller enquêter du côté de l'agence Smart Service. Ah. Oui, j'ai recueilli plusieurs jeunes filles qui travaillaient pour eux, et toutes avaient plongé dans la drogue. Isabelle aussi? Non. Isabelle ne se drogue pas. Isabelle fait de la méditation avec Yolande et moi. Je peux vous affirmer qu'elle n'en fera plus. De la méditation. Avec vous. Qu'est-ce que vous racontez? Elle est morte. C'est une plaisanterie? Non. Un accident? En quelque sorte, une overdose. La police a conclu un suicide, mais pas moi. Elle est venue à votre cours aujourd'hui? Oui, entre 4 et 5. Ce que vous enseignez, ça peut développer des tendances suicidaires. C'est une fille tellement équilibrée, tellement sérieuse. Et vous, entre 5 et 7, vous avez été voir tout seul un film, et vous pouvez me le raconter, c'est ça? Monsieur Burma, vous n'avez pas de chance. J'étais à l'église, j'ai 20 témoins. Voilà, 20 témoins. À l'église, tiens. Oui, à l'église. Je donne des cours à l'église de la Nouvelle Science. Mes élèves sont mes témoins. Oui, avec 20 témoins. À moins d'enseigner l'hypnose collective, c'est pas vous l'assassin. Hein? Bon, eh ben, tout le monde meurt de overdose. Et personne n'est drogué, tout le monde est assassiné, personne n'a d'ennemis. Conclusion, celui ou celle qui commet tous ces meurtres n'a qu'une seule idée en tête, emmerder Burma. Hein? Maintenant,
Nous allons méditer pour Isabelle. Notre association, c'est bien l'éveil. Belle ambition. Belle ambition. Nestor, café. Ah, Réfé. Vous savez que ça vous irait bien une jupe plissée bleu marine, un corsage blanc, un béret, un deux folles côtes et des chaussures plates. Et où voulez-vous en venir? Rémi sûrement vous engagerait tout de suite. Le type de smart service. Mais vous voulez me prostituer, Nestor? L'escort girl couche pas. Elle dîne seulement. Il faut vraiment que j'en passe par là. Et enfin, si vous trouvez ça trop dangereux... Faut que je trouve quoi chez ce type? J'aimerais bien savoir si cet élégant playboy distribue de la cam aux filles qu'il emploie. C'est simple, mais un peu risqué. Mais rien n'est jamais simple avec vous, Nestor. Enchanté. Vous êtes une amie de Maria? Absolument. Asseyons-nous là. Nous serons plus à l'aise pour discuter. C'est moins formel. Maria vous a expliqué quelles sont les prestations de Smart Service, j'imagine. Pas dans le détail. Ah. Vous aimez vous habiller? Oui. Mais je croyais qu'il s'agissait plutôt de se déshabiller. Le théâtre érotique est une exception. Nous fournissons généralement des accompagnatrices. Qui accompagnent jusqu'où? Ce choix-là reste le vôtre. Nous envoyons à des hommes d'affaires trop occupés des jeunes femmes, habillées avec goût, vives, charmantes, belles. Il y a un tarif pour l'après-midi, le soir, la nuit. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la nuit. Et si j'accepte? Si vous arrivez à convaincre un client de vous lire des poèmes jusqu'à 5 heures du matin sans enlever vos gants ni votre voilette, franchement, je vous féliciterai. Je vois. Vous faites un bon 38? 90, 65, 90? Bravo, à un centimètre près. Question d'expérience. Je vous verrais bien en Thierry Mugler. Moi aussi. Eh bien, essayez ceci. Donc, je me déshabille. À tout de suite. Si vous ôtez vos vêtements devant moi un jour, je préférerais que ce soit un cadeau, pas une obligation. L'église de la nouvelle science m'avait tout l'air d'une arnaque. Et cet Igor d'un drôle de paroissien. Soyez le bienvenu. Vous désirez un renseignement? Est-ce que M. Igor enseigne ici? Oui, mais les conférences de son séminaire sont réservées aux élèves qui ont déjà suivi un enseignement préliminaire. Je sais déjà lire et écrire. Vous avez bien un programme? Le programme passe par des phases d'amélioration personnelle. Ma mère me trouvait parfait. Je l'ai cru. Ah, bah voilà ce que je cherche. Mais il n'y a que les horaires, il n'y a pas le nom des conférenciers. Monsieur Burma. Vous êtes tenace. Oh, vous connaissez notre superviseur? Monsieur Burma est détective. Mais nous n'avons rien à cacher, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr. Vous êtes le conférencier de la phase 3? Soi-même. Et vous donnez des cours de 5 heures d'affilée? Le travail est une vertu que notre Église place au plus haut degré. C'est quoi la phase 3? On devient des zombies? La phase 3 est une phase d'éveil et de conscience active.
Votre superviseur, il est resté hier jusqu'à quelle heure? Répondez. Le tableau l'indique. Il était là avec nous jusqu'à 21h. Il est déjà dans la phase 3, lui. Ah, excusez-moi, hein. Mais je sens des mauvaises vibrations. Levataire! Mais qu'est-ce que vous faites là, patron? Où il est, Ricardo? Mais dans l'hôtel! Il n'a pas dormi de la nuit, d'ailleurs, moi non plus. Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? J'en sais rien, moi. Il a porté un paquet de l'autre côté. Un paquet? Hein? Tu le lâches pas. Un type avec une veste de combat vous a pas apporté un paquet? Bah, je comprends. Mais ça, vous êtes mûr pour la phase terminale, mon vieux. C'est une bombe. Planquez-vous! Planquez-vous! Nom de Dieu! C'est terrible. C'était vraiment une chic fille. On pouvait compter sur elle. Elle a écrit une lettre pour vous, elle m'a demandé de la garder dans mon coffre. Quand? La semaine dernière. Ma chérie, si tu reçois cette lettre, c'est qu'il me sera arrivé malheur. Va dans ma chambre. Regarde derrière le tiroir de mon bureau. Prends ce que tu y trouves et préviens la police. Ne pleure pas, je savais ce que je faisais. À présent, toi qui as toujours été une sœur pour moi, veille sur mon frère. Il doit vivre. Aide-le. Ton Isabelle. Il y a une explosion au quartier latin, et qu'est-ce qu'on trouve derrière? Urbain. Ah, on embarque? Faites une enquête minimum, va interroger les témoins, je sais pas. Je suis pas le poseur, je suis le sauveur. Oh, je connais des pompiers pyromanes, moi. Ouais, des drôles de fréquentation. Heureusement, il n'y a pas de victime. Hein. Eh bien, faites ce qu'il vous dit, interrogez ces messieurs. Faites ce que je vous dis. Faites ce qu'il dit. Venez par là. Dites-moi.
c'est que ces salades-là? Hein? Qu'est-ce qui joue à l'artificier? Vous voulez le savoir? Oui. Eh ben, c'est un gars qui a une overdose de comptes à régler, le frère d'une Isabelle, un certain Ricardo. Et où il se cache? Vous m'en demandez trop, Florimond. Et sa sœur, elle fréquentait cette secte? Oui, elle est venue au cours juste avant de se suicider, même. Enfin, ils sont tous... Tout le monde a un alibi, ils étaient en séminaire, comme on dit. J'aime pas ça, moi, les sectes. Ben, fallait me le dire avant, la prochaine fois, je les laisserai partir en chaleur et en lumière. Non, mais il y aura pas de prochaine fois, le Ricardo va l'épingler. Et quant à vous, j'aimerais bien vous embarquer aussi, vous. Ah oui. Mais pour avoir les obsessions de votre adjoint, non? Non, je veux simplement éviter un nouveau mai 68. Tu l'as laissé filer? Ah ben, je suis désolé. Je vais essayer de le rattraper, hein, si vous voulez. Bon, la police s'en chargera. Tu vas être un adepte de la nouvelle science. Quoi? Un adepte de la nouvelle science. Regarde, c'est pas une librairie, c'est une église. Il n'y a pas de clocher? Pas de clocher, mais je m'intéresse au bedeau. Et t'as le profil pour t'inscrire dans son établissement. Tu parles. Je dormais toujours au caté, moi. Il donne des conférences tous les jours. Ah, j'aime bien les conférences. En même temps, tu me diras s'il a le don d'ubiquité. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire? Ben oui, être ici et ailleurs en même temps. Ouais. Il surprendra tous les jours. J'espère bien. La faille. Nous allons, grâce à ce test, déterminer s'il y a une faille dans votre personnalité. Cette faille peut devenir la cause de votre ruine. Mais il y a aussi des forces en vous qui ne demandent qu'à se développer. Ah oui, ça je sais. Good. Quoi? Bon. Si vous acceptez cette première partie de l'initiation, nous déterminerons ensemble un programme d'études pour vous clarifier. Ah bon? Et il y a les conférences? C'est parce que j'aime bien les conférences. Nous avons un programme de conférences. Mais d'abord, vous devez passer le test et vous inscrire en payant la cotisation. Ah bon, il faut que je passe le test pour savoir si je dois payer, quoi. Pas exactement. Ce n'est pas un concours, mais une étude. Vous payez pour être soumis au test et pour un premier cycle de leçons. C'est cher? Vous pouvez payer en plusieurs fois. Et ça coûte combien? Je vous demanderai un premier chèque de 4000 francs et deux autres du même montant que vous datez à votre convenance. Et si je reste debout, c'est moins cher? Vous avez déclenché une émeute dans cette tenue. Ça vous plaît?
C'est pas avec votre salaire que vous êtes payé ça? Une avance de Rémy de Surmont sur mes gages. Ah. Il manque pas d'air, celui-là. J'espère que ces avances se sont arrêtées là. Mais c'est un homme courtois, aimable et qui sait parler aux femmes. Il vous a parlé, vous a dit quoi? C'est pas un Mac, Nestor. Et vous êtes censé aller où dans cette tenue? Nulle part, faut que je la fasse à mon corps, elle me sert un peu quand je marche. Quand vous êtes couché? Bon, bon. Ah, réfugié, je t'ai apporté la souris de tes rêves. Y a quelqu'un? Qui c'est? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mettez-vous là-dedans. Pourquoi faire? C'est Rémy de Surmont. Ah, je vous avais pas entendu. Vous êtes détective, Burma? J'ai besoin de vous. Vous voulez un escort boy? On m'a cambriolé. Il y a quelqu'un là-dedans. Je viens d'enfermer ma secrétaire, elle travaille mieux là-dedans. Non, je plaisante, c'est le chat. Je vais vous montrer, c'est dans ma voiture, elle est en bas. Oui, bah, allons-y, allons-y. Ça, je l'ai fait finir. Regardez le massacre. J'avais une arme là-dedans, un pistolet. Ils ont même piqué les papiers de l'auto, un peu de fric, etc., etc. En tout cas, c'était pas des amateurs de musique qui vous ont laissé votre poste. On va me faire porter le chapeau pour le meurtre d'Isabelle. C'est dégueulasse. Et dans tout ce qu'on vous a piqué, il n'y avait pas des petits sachets de poudre blanche? Vous avez le droit de garder le silence, comme on dit. Bon, admettons, il y avait des sachets. Et deux ou trois, je sais pas exactement le nombre. C'est pas important. Certaines filles que j'emploie ont des petits copains qui leur enfilent. Ou elles se débrouillent pour en trouver. Si je vois qu'elles ont de la drogue sur elles, je la leur confisque. Je suis en guerre contre ça. C'est une pensée qui vous honore. En les protégeant, je protège mes intérêts. Ben voyons. Et vous conservez tout dans votre boîte à gants? D'habitude, je jette. Hier soir, ben, j'ai oublié. J'étais crevé, j'avais bu. Vous étiez crevé, entre 5 et 7, qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous trompez, Burma. J'avais beaucoup de respect pour Isabelle. C'était une fille formidable. Pas bien entendu, là. C'est quoi votre alibi? Un cocktail pour deux ambassadeurs africains avec deux Danoises que je leur ai amenées. Ça vous suffit? C'est un dur métier. Et vous, un métier dangereux. J'espère que vous êtes armés, parce qu'en face, maintenant, ils le sont. Je me demande bien ce qu'ils vont en faire. Ils se débrouillaient très bien avec des seringues. Nestor? C'est vous, Nestor? Nestor, sortez-moi de là! Ah, j'ai toujours su que vous étiez une jeune fille bien rangée. C'est pas drôle. Il est très malin, de Surmont. Il a un alibi pour hier soir. Allô, monsieur Burma, ici Maria. Allô? Vous n'êtes pas là? J'ai réfléchi, j'ai pris une décision. S'il vous plaît, arrêtez votre enquête tout de suite. Je vous rappellerai pour vous expliquer, il faut que vous arrêtiez, j'y tiens. À bientôt. Ça va pas, ça? Je veux une explication. Puisque l'enquête est finie, j'accepte que vous m'invitiez à dîner ce soir. Ma cliente me fait des cachotteries et j'aime pas ça. Hein. Et je suis sûr qu'en ce moment, elle a besoin de moi. On peut quand même dîner ensemble ce soir. L'enquête est pas terminée. Et Rémy de Surmont va encore avoir besoin de vous. Tenez, vous allez mettre ça dans votre sac. Hein? Qu'est-ce que c'est? Et vous débrouillez pour qu'il s'en aperçoive. C'est de la drogue? Mais non, c'est du talc, 100% pur. J'aimerais bien savoir quel comportement il aura en trouvant de la poudre qui n'est pas signée Dior dans le sac d'une de ses filles. Maria? Maria, il faut qu'on se parle. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Je n'ai plus votre nom en mémoire. Excusez-moi. Nestor Burma. Pauvre petite Maria. J'ai su ce qui était arrivé à son ami. C'est épouvantable. Encore les ravages de la drogue. Quel fléau. Elle est morte exactement de la même manière que votre fils. Je sais. C'est pour ça que je suis ici. Je ne voudrais pas qu'elle se sente seule. Je voudrais l'aider, lui donner un peu d'argent. Qu'elle aille s'installer ailleurs.
Il y a trop de souvenirs ici. Très généreux. C'est le minimum. Je l'aide comme j'aiderais quelqu'un de ma famille. Après tout, elle allait devenir la femme de Paul. Est-ce que votre fils connaissait Isabelle? C'est vrai que vous êtes détective. Les questions chez vous, c'est un syndrome. Non, je ne sais pas qui fréquentait mon fils. On se voyait très peu. Il était distant. Je vous embêterai plus, Maria m'a demandé d'arrêter l'enquête. Tant mieux. Vous n'auriez rien trouvé de toute manière. Bien. Je vous laisse. Tenez, monsieur Burma. Il y a 20 000 francs. Remettez-les à Maria de ma part. Je n'ai pas le temps d'attendre. Et je n'ose pas laisser ça ici. Il faut qu'elle aille habiter ailleurs. L'endroit est malsain. Vous ne trouvez pas? Je ferai la commission. Tu peux me remplacer, ça ne t'ennuie pas? Pas du tout, au contraire. Ok, très bien. Là, tu as l'adresse à Paris. Voilà, ok. Ciao. Bonsoir. Déjà là? Eh oui, déjà un rendez-vous, mais faut que j'y aille. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est rien. Pas de ces saloperies chez moi. Faites mal. Moins que ce qu'il y a là-dedans. Vous êtes fou, c'est du fric. Je pensais pas que vous le dépensiez ainsi, ni que vous étiez là-dedans, vous aussi. Vous en prenez souvent? Non. Alors, arrêtez tout de suite si vous voulez continuer à travailler pour moi. Première et dernière mise en garde. Pigé? Oui. Chercher quelque chose. Et vous? Moi, je cherche toujours à comprendre. Qu'est-ce que vous lisez, là? C'est de l'espagnol, là? C'est un journal uruguayen. Je vais vous le traduire, si vous voulez. Deux journalistes de La Nación, Pablo et Antonia Ruiz, mariés femmes, ont trouvé la mort dans un attentat. Ils ont été filés par des motards et abattus en plein jour dans leur voiture, Avenida Vargas. Ils laissent deux orphelins, Isabelle et Ricardo, 15 et 9 ans. Les deux journalistes menaient une enquête difficile pour essayer de dénoncer le lien entre le pouvoir et la secte de Nelson Don Reuger. Ce sont des mensonges. L'Église a des ennemis partout. Vous y croyez pas, j'espère. Ça fait longtemps que vous appartenez à cette Église? Je suis libre. Je n'appartiens à personne. Ils m'ont aidé à me libérer. Grâce à eux, j'ai atteint mon point d'équilibre. Ah. Venez enlever votre veste, je vais vous montrer. Bah, j'ai pas bien le temps, hein. Il faut que je retrouve Maria. Elle doit venir ici, on va préparer un numéro pour le théâtre. Hein? Ah bon? Vous êtes experte. Fait partie des cours de massage de Don Igor? Non, ça c'est mon toucher naturel. Est-ce que vous êtes tendu? Non, ça c'est mon état naturel. Hein. Un esprit calme dans un corps tendu. Tenez les électrodes fermement. Oui, mais j'ai peur de prendre un coup de jus. C'est impossible. Allez. On prend. Bon, ben, je vous aurais prévenu, hein, j'ai jamais réussi aucun test. Celui-ci est différent. Vous y êtes?
Oui. Avez-vous des liens avec la police? Remettez vos mains. Pardon. Je continue. Vous êtes un ennemi de la nouvelle science? Ben non, bien sûr. Pourquoi je serais un ennemi? Faites-vous une enquête sur la nouvelle science? Ah non. Avez-vous des liens avec la police? Mais non, je viens de vous le dire, ça, non. Vous êtes journaliste? Mais non, non, non. Bah, à quoi ça rime toutes ces questions? Ils sont destinés à évaluer votre personnalité. On dirait pas. La main. C'est toi qui es entré dans cette chambre après le départ de la police? Non. J'ai peur des énergies négatives. C'est dommage. J'aurais su qui a brisé les scellés. Moi, je sais qui l'a fait. C'est qui? Maria. Maria? Maria. Pourquoi elle ne me fait pas confiance, celle-là? Feuille de jeune fille. Gagné. Oh merde. Bah, vous gênez pas, c'est du vol. Ah non, c'est de la restitution. Votre copine est en train de faire une grosse bêtise, si je pouvais la trouver. Si jamais vous voyez Maria, vous pouvez lui demander de me rendre un service? Oui, quoi? Ne rien faire. Surtout qu'elle ne fasse rien. Hein? Elle peut m'appeler, mais elle ne fait rien. Il profite de son ascendant nerveux. Il attaque le mal A. Son cerveau reptilien prend le dessus. Maria. Vous auriez dû venir plus souvent depuis la mort de Paul. Nous aurions été mieux à la maison. Il est vrai que je n'y vais guère que pour dormir en ce moment. Je regrette, je n'ai vraiment rien à vous offrir. Sinon de l'eau. Offrez-moi la vérité. C'est le dossier constitué par Isabelle sur l'église de la nouvelle science. Ah. Et alors? Et alors? Alors c'est vous qui avez tué votre propre fils? Mais non, Maria. Comment osez-vous nier? Il y a des preuves écrites, des photos. Vous êtes le plus influent, le plus haut placé en Europe dans l'église de la nouvelle science. Isabelle l'avait découvert. Ne touchez pas à ces preuves. Cela prouve seulement que j'ai aidé l'église à s'implanter ici, voilà tout. Vous êtes abject. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Tuer votre fils. Non! Si quelqu'un a tué Paul, c'est bien votre amie Isabelle. Vous mentez! Paul s'est suicidé, Maria. Il s'est suicidé à cause d'elle. Parce que cette fille lui racontait un tissu de mensonges. Comment pouvez-vous droguer des êtres humains pour faire des expériences sur leur cerveau? Vous êtes un monstre! Excusez-moi. Je sais pas si on vous a volé quelque chose, mais vous avez votre carte grise, ça vous évitera une contravention. J'ai droit à une explication. Vous savez où est Maria? Oui, c'est elle qui vous a volé votre revolver. Je crois qu'elle essaye de venger son fiancé et sa copine. Bah, en tout cas, elle n'est pas venue ici pour me tirer dessus. Un bon point pour vous. Est-ce que vous connaissez l'église de la nouvelle science? Non. Oh, ils enrôlent mes filles dans leur secte à la noix. Ils leur piquent tout le pognon qu'elles gagnent. Ils sont des escrocs. Tout ça n'explique pas les deux meurtres. Pourvu qu'elles fassent pas de bêtises avec mon pistolet. Pourvu qu'elles sachent s'en servir. Bah, normalement, elle sera au théâtre du pêcheur dans 2 heures. Ah, bah, j'espère qu'il n'y aura pas un drame avant. Au début, je voulais vous tuer. Mais j'ai changé d'avis. Vous allez appeler la police. Si vous aimiez Paul, vous faites une énorme erreur. J'ai pas envie de vous écouter. Et si c'était Paul qui vous parlait, vous l'écouteriez? Paul. Paul est mort. Paul m'a laissé une sorte de lettre d'adieu.
Il l'a enregistré sur une cassette. Cette cassette est là. Cette petite garce d'Isabelle a poussé Paul au suicide. C'est elle seule qui est responsable de la mort de Paul. Taisez-vous! J'ai vengé mon fils. Vous auriez agi de même, n'est-ce pas? Taisez-vous! Écoutez. Papa, je ne sais pas si je dois t'appeler encore ainsi. Je préfère enregistrer ce que j'ai à te dire. C'est trop dur de le dire en face. Toute ma vie, j'ai eu une énorme admiration pour toi, pour ton travail. Je n'ai pas cru Isabelle quand elle m'a dit. Pourtant, elle m'a montré ce dossier. Un dossier terrible, accablant pour toi. Elle a mis des mois à le constituer. Elle pensait que je n'étais pas au courant. La suite. Le reste n'a aucun intérêt. Ce sont des calomnies qu'on lui a mis dans la tête. Je veux entendre la suite. Rien ne t'a arrêté. Tu as fait des manipulations génétiques sur des humains. Tu traites les gens comme des souris de laboratoire. C'est criminel. Ça dure longtemps. Bien sûr. On peut rester 4 heures à méditer. À quoi on pense ? D'abord, on fait le vide dans sa tête. On pense à rien, là. Si. On travaille pour chasser ses pensées négatives ou encombrantes. Tu en as, ça se voit. Et vous avez fait que ça l'autre jour? Tu. On se tutoie ici, frère. Ah, pardon. De quel jour parles-tu? Hier, la séance qui a livré des heures, là, avec lui. Tu y étais, toi? Oui. Et lui? Le gourou, là, il est tout le temps là? Il conduit nos réflexions. Il sort jamais. Il est toujours avec nous. Il y a un appel pour vous. C'est très urgent. Igor, j'écoute. Oui, maître. Où allez-vous? Mais je vais au... Ah, parce que ça aussi, il faut que je le dise. Allez-y. Bien, maître. J'arrive tout de suite. Agnès, mon vêtement. Craignais le pire pour Maria. J'avais la désagréable impression d'avoir laissé une enfant dans le noir. Fallait absolument faire la lumière. C'est Igor. Il y a un type qui me suit. Laissez-le monter, on va bien voir. Thank you.
Vous êtes du service de l'entretien? Oui. Les poubelles, c'est par là. Ah ben oui, c'est vrai. Puisque vous êtes là, venez me donner un coup de main. Mon assistant est rattaché à lui, vous allez m'aider. Ben, j'ai mon boulot, hein, moi aussi. J'arrangerai ça, je connais votre patron au service du personnel. Il s'appelle comment, déjà? Hein? Vous savez, moi, je viens d'être engagé, alors le nom... Bien sûr. Ça n'a pas d'importance, d'ailleurs. Déplacez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur... Soyez pas ridicule, mon ami, les pitons ne mordent pas. Allez, dépêchez-vous. C'est lourd, ça. Bon, où je le mets? Nulle part. Oh. Ah, je ne croyais pas vous avoir prévenu. J'aurais aimé vous annoncer une autre nouvelle. Votre cliente est morte. C'est moche. Désolé. J'aurais dû éviter ça. Vous l'auriez empêché de se tuer. Oh merde. Je suis vraiment navré, Burma. Blessure? C'est une petite piqûre au bras. C'est pour une overdose, hein? Pas elle. Ridicule. Son fiancé est mort comme ça. Ce sont des meurtres. On a affaire à un psychopathe. Toujours le même rituel. Si vous avez un nom à me proposer, moi, je suis preneur, hein. J'aimerais. Je peux jeter un œil à l'intérieur? Bien parce que c'est vous, mais alors donnons, donnons. Hein. Laissez passer, laissez passer. Dégagez. Qui a vu arriver Maria? Personne. On a interrogé le voisin, Chou Blanc. Elle avait sa clé, alors elle a pu entrer comme elle voulait, quoi. Pas de documents, pas de photos. Un dossier, non? Un dossier sur quoi? C'est bien parce que c'est vous. Tenez. Les parents d'Isabelle et de Ricardo ont été tués par l'Église de la Nouvelle Science il y a 10 ans en Uruguay. Isabelle aurait bien pu vouloir se venger. Elle a pu aussi constituer un dossier dangereux contre cette secte. Intéressant. Je peux le garder? Et Maria aurait pu l'avoir entre les mains. Ce que je comprends pas, c'est que Maria voulait venger son fiancé. Paul Levasseur n'avait aucun lien avec l'Église de la Nouvelle Science. Dommage. Dommage. Ricardo, tu m'as fait peur. Restez ici. Je suis complètement crevé, je ne sais plus où me cacher. Bien sûr. Tu dis à personne que je suis là. Hein? Les filles me recherchent. T'inquiète pas. Je vais boire quelque chose de chaud. Non. Ensuite, essaie de dormir pour récupérer. Allô, c'est Yolande. Il est chez moi. Oui, au foyer. Non, elle était seule. N'êtes pas responsable, Nestor. Il y a des jours, je changerai bien de métier. Oh, soyez pas stupide, vous êtes le meilleur.
Le meilleur n'aurait pas perdu sa cliente. Ça fait 48 heures que vous êtes sur l'affaire. Et qu'est-ce que j'ai trouvé, hein? De surmont et hors de cause, Igor a un alibi, Zavater le quitte pas d'une femelle. Hein? Trois meurtres impunis, un assassin non identifié, y a pas de quoi être fier. Réfléchissez plutôt que de culpabiliser. Je réfléchis alors. Hein? Bien sûr, il y a un lien entre les trois meurtres, ça c'est sûr. Tout tourne autour de l'église de la nouvelle science, ça aussi c'est sûr. Isabelle voulait me dire quelque chose. Elle se croyait responsable de la mort du fiancé de Maria. On l'a tue. Parce qu'elle voulait vous parler? Possible. Quant à Maria, elle trouve quelque chose. Elle veut régler ça elle-même. Elle me demande d'arrêter l'enquête. Elle meurt à son tour. La même petite piqûre. Ça fait pas beaucoup d'indices. La même petite piqûre. La même petite piqûre. Vous avez une idée? Ouais. Une overdose, c'est une intraveineuse. Mmh. Meurtrier a visé juste, hein, pile dans la veine. Une seule piqûre. Un drogué, probablement. Non. Il tremble pas comme un drogué, hein. Il rate jamais, lui. C'est son métier. Ou alors, dans son métier, il est habitué à faire des injections. C'est son métier. Vous travaillez comme détective pour l'agence Fiat Lux, monsieur Savater. Qu'est-ce que c'est que cette agence? Vous savez déjà. Que cherchez-vous? Vous m'avez drogué. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas une substance toxique. Je supprime ma volonté, voilà tout. Alors, pour qui travaillez-vous? Nestor. Nestor Burma? Très bien. Qu'est-ce que M. Burma cherche chez moi? Un petit effort. Rappelez-vous. Qu'a-t-il dit, Nestor Burma? C'est vous. Impatient d'avoir une explication scientifique avec le Vasseur. Je suis très inquiète, je vais être là sans pouvoir rien faire. Mais non. Avec ça, vous n'en perdrez pas une miette, ma petite Hélène. Vous êtes mon assurance vie, hein. Et vous, un personnage à haut risque. Soyez prudent, Nestor. I can't give you anything but love. Hein? Entendez? Un de vos rats, professeur.
Je sais que vous êtes là, professeur. Entrez-vous, professeur. Lâchez la vôtre. Vous battez plus avec une seringue, professeur. Contre un cambrioleur qui a détruit ma serrure, on peut faire. À qui voulez-vous faire croire ça, professeur? Vous êtes coincé. Vous inversez les rôles. Reculez. Et asseyez-vous sur le fauteuil là-bas. J'ai peur qu'il ne vous reste pas une gamme étendue de possibilités, monsieur Burma. Reculez. Vous ne pouvez plus fuir, ni vous défendre. Il vous reste à choisir le moyen que vous préférez pour disparaître. Le doute vous effleure jamais. Vous lisez des cartes. Je me trompe rarement. Vous n'êtes pas trompé quand vous avez tué votre fils? Savez-vous ce qui empêche les animaux de tuer leur progéniture pour se nourrir, monsieur Burma? Un enzyme. Une substance chimique. Chez l'être humain, c'est la même chose. Avec les bonnes substances, on peut changer radicalement le comportement d'un homme. Alors, la morale, où est-elle? Pas ici, en tout cas. Cette nouvelle science me rappelle des mauvais souvenirs. La nouvelle science est la preuve de ce que j'avance. Comme toutes les sectes, un terrain d'étude idéal. Des centaines d'individus sont volontaires pour devenir des cobayes, abdiquer leur indépendance. Je renoncerai difficilement à la mienne, je vous préviens. Vous comptez me faire disparaître comme Isabelle et Maria? Que savez-vous exactement? Tout. Isabelle, Maria, votre fils. Vous savez à quoi s'en tenir sur votre compte? Alors vous les avez supprimés de la même manière tous les trois, comme n'importe quel petit criminel, un peu bête, sans imagination. Trois fois le même crime. Vous n'espérez pas me mettre en colère? Overdose, pour moi, c'est... Non. Je suis pas du genre à me suicider, même par accident. Vous avez mis les pieds là où il ne fallait pas, monsieur Burma. Non, pas un scorpion. Ah! Ne bougez pas. Sur un but, un antidote. Vous n'allez pas tirer, vous n'avez aucune preuve contre moi. Tout a été enregistré. Police! Faites pas trop, Hélène. Vous n'avez vraiment pas besoin de moi, Lester. J'ai toujours besoin de vous, Hélène. Le professeur a des révélations à faire au commissaire Farou à la PJ, emmenez-le. Mettez-lui des menottes. Je dois me faire un antidote! Laissez-le soigner tout seul. Il est le seul à savoir quel genre de scorpion l'a piqué. Oh! Urma! Mais c'est à la terre. Urma! Aidez-moi. Ah, c'est allongé.
Alors, toujours en difficulté? Il m'a fait une piqûre. Mais j'ai tenu bon, patron. Injecté de l'air dans le sang. Et mort d'une embolie. Laissez-moi passer, là. Qu'est-ce qu'il y a? Florimond, vous avez raté un vrai suicide devant témoin. Levasseur. Ah ben dis donc, ça doit faire des vagues, ça. On a intérêt à avoir un bon dossier. Oh ben, y en a un là, hein. Et il est épais. Déjà 4 morts à cause de lui. C'est celui que vous cherchez? Exactement. Le professeur Levasseur s'était cru au-dessus des lois. Il avait pratiqué ses expériences sur les adeptes de la nouvelle science. C'est ce qu'avaient découvert ses 3 victimes. Pour lui, tout était réglé. Pour les autres, tout allait l'être.